Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très contente de la filmer. Alors je sais qu'elle va pas forcément faire l'unanimité parce qu'on n'est pas sur du luxe, on est vraiment sur du premium. Mais vous l'avez vu dans le titre, on est chez Longchamp et Longchamp reste ma marque de cœur en termes de premium je pense. Parce que voilà, je vous en avais déjà parlé mais j'avais eu pour mes 20 ans toute la gamme roseau à l'époque qui faisait fureur et... C'est un sac que j'ai toujours, que je garderai toute ma vie. Je trouve que Longchamp fait partie de ces marques qui ont vraiment su repartir de plus belle malgré l'arrivée de plein d'autres marques. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à renouveler leur collection d'une façon hyper boostée. Ils sortent des coloris qui sont toujours plus beaux les uns que les autres et des lignes vraiment qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors oui, Longchamp peut rester la gamme classique des pliages qu'on retrouve chez toutes les adolescentes en collège ou en lycée avec leur fameux sac pliable, mais c'est pas que ça et c'est vraiment pas que ça. Et pour avoir eu beaucoup de sacs Longchamp, moi je suis très contente de leur qualité. Même les sacs pliage, j'en ai plein, je les passe en machine, ils bougent pas, enfin vraiment j'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, je sais que la vidéo va pas faire un nombre de vues extraordinaire parce que la plupart d'entre vous me suivent pour la partie luxe, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir à moi-même avant tout et de partager pour celles qui sont qui aiment cette marque Longchamp. Donc ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est trois sacs que j'ai acheté. Donc on va vraiment être sur un triple unboxing que j'ai très très hâte de vous filmer, puisqu'en fait je n'ai pas rouvert les paquets depuis que je les ai achetés et ça fait un bon bout de temps qu'ils traînent vers mon bureau. Donc voilà, on va les ouvrir dans l'ordre dans lequel j'ai acheté les sacs. Alors je sais que ma chaise fait beaucoup de bruit, elle est pénible, je faudrait que je la change. Donc le premier c'est ce sac là, donc je l'ai acheté, je vous mettrai tout dans la barre d'infos sur les commerces à Biarritz qui revendent la marque Longchamp. Je voudrais pas déchirer le sac. On va prendre un petit ciseau. Donc pour la petite histoire, en fait j'étais allée faire les derniers jours de solde à Biarritz et je suis repartie avec un sac non soldé. Donc le petit sac est emballé dans un papier avec le logo Longchamp. Je ne sais pas si vous allez le voir. Très sympa. Alors sachant que dans ce magasin, alors je ne sais jamais si c'est le Souk, je crois que c'est le Souk hein, qui s'appelle, parce qu'ils ont deux boutiques, mais je crois que c'est la boutique Le Souk qui fait la marque Longchamp. Ils prennent toujours la peine de vous faire un super emballage cadeau. Vous achetez un sac soldé à moins 50% ou un sac de la nouvelle collection, un sac petit prix ou un sac haut de gamme. Ils font toujours des super paquets. Donc voilà le petit bébé. Moi je l'aime beaucoup, je vais peut-être vous le montrer de là parce qu'il y a un contre-jour. Voilà. Donc on est en fait sur la gamme, ils appellent ça le sac pliage mais c'est pas, vous savez, alors pour celles qui connaissent bien la marque, c'était à l'époque ce qu'ils avaient appelé je crois les cosmiques. C'est la pliable mais un petit peu plus épais. Donc en fait ce sac était en solde à 50% mais en coloris rouge, je vous dirais de vous mettre une petite photo. Et au fond dans le magasin, je l'ai vu dans ce coloris-là et je me suis dit non, c'est quand même plus raisonnable de partir. Pas raisonnable en termes de prix, mais en tout cas en termes de portée. Je pense que celui-là, je vais clairement beaucoup plus le mettre que un sac rouge. Rouge, c'est pas... J'allais dire rouge, c'est pas mes couleurs. J'ai un haut rouge. La dernière fois, je vous disais, j'ai envie de couleur, je t'habille en noir. Vous allez dire, elle raconte vraiment n'importe quoi. Mais non, rouge, voilà, j'ai un sac rouge, c'est mon Lancaster. Mon Michael Kors avec les cœurs. Mais c'est pas un sac que je mets beaucoup et c'est pas une couleur qui m'attire énormément. Donc à l'intérieur en fait, bah, comme tous les sacs Longchamp, on est sur une seule et unique poche. Une petite poche plaquée ici avec le petit certificat d'authenticité. Et vous avez la lanière qui est tout cuir pour pouvoir l'accrocher ici. Hop, et le porter en crossbody. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit sac. Alors pour info, je l'ai payé 150 €. Et j'ai vu sur le site de Longchamp qu'il était à 160. Donc bon, ben voilà, j'ai eu mon petit solde quand même. Donc ça, c'est pour le premier modèle. Alors, il est un peu petit, je vous l'accorde. Moi qui vous dis qu'il préfère les grands sacs. Mais je me dis que pour être mis justement dans un sac, bah, par exemple dans mon sac Louis Vuitton Neverfull dont je vous ai fait la revue, je vous la remets juste ici. Bah, ça peut être le petit sac au quotidien que je peux prendre à la main. Quoi. Enfin à la main, en crossbody, vous m'avez compris.
j'ai acheté, c'est celui-là. J'attrape les deux. Non, c'est celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté au centre commercial BAB. Il y a aussi une boutique qui a ouvert récemment et qui vend du multimarque. Et ils font Longchamp. Et celui-là, je l'avais vu dans les soldes. Je m'étais dit, attends un peu. Et je l'ai chopé après les soldes. Alors avant, j'avais remarqué que en France, les magasins retiraient vraiment tous les produits soldés quand les soldes étaient finis. Et maintenant, la plupart, en fait, ils gardent au fond du magasin ou sur un côté les prix de folie ou dernier prix. Donc voilà, on a toujours possibilité d'acheter remisé en période de solde ou pas. Et celui-là, j'ai fait une très bonne affaire parce qu'il était, je l'ai eu à 50%. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur la couleur. Hop! J'ai tellement hâte de le porter. Donc c'est le sac porté travers en taille S. Donc on retrouve le logo. Donc ça me rappelle en plus mon sac de mes 20 ans, sachant qu'ils ont un petit peu changé leur logo, enfin leur roseau, et qu'ils l'ont grossi. Il est beaucoup plus gros qu'avant. Donc voilà, la couleur c'est sauge. Je ne sais pas si elle va bien ressortir, mais je vous ferai des petits close-up. Et j'adore. Vraiment, j'adore. À l'intérieur, vous avez... Hop, il est comme ça. Vous avez des petites pressions sur le côté qui vous permettent d'agrandir le sac si besoin. Tout cuir à l'intérieur. Bon, on est vraiment sur de la très très bonne qualité. Et à 50%, donc je crois qu'à la base, il était à 360€ et que je l'ai payé 190. Voilà, donc très 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 contente de ce petit achat. Dites-moi en commentaire si vous aimez la marque et si vous en possédez. Et si oui, bah, quel est votre modèle favori de chez Longchamp. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est vraiment sur... c'est ce qu'ils avaient sorti comme couleur pour l'hiver. Alors qu'on est vraiment sur un ton très pastel qui pour moi me fait plutôt penser à l'été. Donc voilà, quand les beaux jours vont arriver, c'est un modèle que je vais pouvoir porter. Il a la bandoulière qui est réglable. Et voilà, je l'aime d'amour celui-là. Vraiment, j'adore, je suis très contente de mon achat. Et le dernier modèle, c'est un sac que je n'ai pas payé. Ou presque. Donc là vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Donc en fait au magasin de Biarritz vous avez un système de carte de fidélité. Bon j'imagine que dans toutes les boutiques locales de vos villes vous avez un peu le même principe. Les cartes de fidélité ça existe depuis des lustres. Et dans ce magasin en l'occurrence quand vous avez atteint 10 achats je crois vous avez 5% sur le montant de vos achats. Clairement j'achète que du Longchamp chez eux donc ça fait quand même des belles sommes à chaque fois. Et j'avais, je crois, si je vous dis pas de bêtises, 60€ de bon d'achat. Donc, j'ai craqué sur un petit modèle que j'ai vu en vitrine. Je me suis dit, allez, rentre, fonce et tu te prends ça avec ton bon d'achat. Donc, celui-là, c'est vraiment le petit achat plaisir. Je ne sais pas si je vais beaucoup le porter, mais voilà, il m'a fait beaucoup rire. C'est, je crois qu'ils ont sorti la gamme l'année dernière. Et c'est la gamme filet. J'ai trouvé ça trop drôle. Donc là, on est sur le petit modèle XS porté travers. Et en fait, ça fait penser au petit panier de course qu'on prenait quand on était plus jeune. Bon, c'est plutôt ma mère ou ma grand-mère qui prenaient ça quand ils allaient faire leur marché. Mais voilà, ils ont sorti toute une gamme comme ça qui est super fun. Et celui-là coûte 65€. Donc voilà, j'ai dû rajouter... ouais, je crois que j'ai payé 5 ou 6€ de ma poche. Donc vous avez une petite lanière pour le porter travers. Donc juste pour sortir avec sa carte, je sais pas si c'est pas une collab d'ailleurs, tiens, parce que je vois qu'il y a une étiquette marquée Filt, je vais me renseigner. C'est ça, c'est bien une collaboration avec la marque Filt, alors je connais pas, mais a priori c'est ça, c'est le plus ancien fabricant de filets à provision français. Et je trouve que l'idée, je vous dis, ils ont plein d'idées, Longchamp vraiment, je trouve qu'en termes de renouvellement, ils sont juste top. Et donc c'est bien une collab qu'ils ont fait avec la marque Filt. Bah bravo Longchamp parce que je trouve ça top. Et il est trop mimes. Trop trop mimes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Ça, celui-là, je sais qu'il va pas faire l'unanimité non plus. Donc voilà, je vous fais des petits close-up et on se retrouve juste après.
j'ai fini avec mon triple unboxing de chez Longchamp. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram puisque c'est là où je vous mets quotidiennement des petites stories 3615 ma life. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !